Des graines. Mais non, pas des graines. Ton poids en noix de cajou. Mais parce que 27 ans de mariage, ce sont des noces de... D'acajou, mon amour. Oh merde! C'est le début de notre retraite amoureuse. Je suis, mais incapable de te surprendre. Et toi aussi, hein. Tu es incapable de me surprendre. Hein, on est incapable de se surprendre. Oui, ça, vas-y, compris. Et tu trouves ça formidable. Cette soirée avait si bien commencé. Pourquoi ça dégénère? Je te propose un test. Je vais te dire trois choses sur moi. Il y a deux mensonges et une vérité. On se connaît par cœur, je te dis. Très bien. Deux mensonges et une vérité. Oui. Allez. Les voilà. J'ai eu un enfant avec un autre homme. Mon prénom et mon nom de jeune fille sont faux. J'ai fait de la prison. Allez, bonne nuit. Tu l'as fait suivre. Pour qui tu me prends, enfin? Ça serait monstrueux. Non, je la suis moi-même. Ah. Ou alors, deuxième hypothèse. C'est Catherine, la psychopathe. Ce dont je me suis souvent douté. Comment tu connais ma femme, pardon? Elle vous l'a pas dit? Quelle femme mystérieuse. Ah. Quand on pense à toutes ces choses éprouvantes qu'elle a traversées. Ce type-là est toujours en retard, comme Catherine. Tu crois que c'est héréditaire, le retard? Évidemment. Ta mère me fait vivre un enfer. Enfin, je veux pas t'embêter avec ça. Non. C'est électrique. Je viens de prendre une décharge. Et Marc? Marc, ton son... Marc tout court. J'ai l'impression de vous connaître par cœur. Elle me parle tellement de vous. Après? Après quoi? Au rendez-vous. De travail. Hein. Et pourquoi vous mettez travail entre guillemets comme ça? Avec Catherine, on peut pas vraiment appeler ça du travail. Ah bon? Et vous appelez ça comment exactement? Un sac à 7. J'ai rien trouvé. Du coup, j'ai fait les poubelles, mais j'ai pas eu le temps de trier, alors j'ai tout pris. Tiens, tu peux. Demande-lui de te donner la réponse. J'ai refusé. Fous de ma gueule? Mais je vais te découper en rondelles, moi aussi, hein.